Frères et sœurs, un texte de la Bible pour notre méditation en temps de réforme, un texte tout à fait mignon dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, à partir du verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers. Je suis rassasié de la graisse de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les lunes nouvelles, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est, du verbe haïr, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont une charge et je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Frères et sœurs, profitons de notre cantique 232 dans le recueil de chants, louanges et prières, pour y chanter les strophes 1, 2 et 3, afin de nous mettre à l'écoute d'une parole de Dieu que nous allons essayer de faire retentir à travers ce texte d'Ésaïe. Cantique 232, levons-nous pour chanter.
Éternel, notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne une parole qui nous aide à mieux comprendre notre vie et à mieux te comprendre. Chers frères et sœurs, il n'aura échappé à personne que les protestants se revendiquent comme les enfants de la Réforme. Soit. Mais la Réforme, qu'est-ce au juste? Et surtout, comment ça marche? Alors, avec ce texte du prophète Ésaïe, je crois que nous avons une sorte de mode d'emploi de la Réforme et je vous propose de repérer les trois moments, les trois étapes d'un processus de réforme. La première étape consiste à observer la situation dans laquelle nous nous trouvons, en prenant de la distance, en dégageant notre nez du guidon et en nous considérant comme étrangers à notre environnement. C'est ainsi que commence ce passage biblique qui exhorte à l'écoute de la parole de l'Éternel, de la loi de notre Dieu. C'est une manière de dire que pour être à la hauteur de cette exigence de la réforme, il faut se frotter à l'altérité. Altérité désignée par la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel qui n'est pas notre parole, qui n'est pas notre loi, qui n'est pas notre point de vue, mais un point de vue décentré, extérieur, étranger. Là où certains voudraient peut-être se conforter dans leurs convictions, dans leurs choix, dans leur mode de vie, le réformateur va non pas se conforter, mais se confronter à l'altérité que la Bible nomme Dieu lorsqu'elle est portée à son comble. C'est ce que fait un certain Martin Luther en scrutant l'Épître aux Romains et par cette lecture attentif du texte, il s'exclame « Quoi ? On m'aurait menti ?» Et Luther prend conscience que contrairement aux idées reçues, contrairement à la doxa populaire, l'identité humaine ne se construit pas en fonction de nos réalisations, mais en vertu d'une grâce première accueillie par la confiance. On est quelqu'un parce qu'un autre me le dit. Et que je lui fais confiance, que j'ai foi en sa parole. Cela remet en cause l'imaginaire de l'époque, l'imaginaire de Luther, qui vivait en compagnie de ses contemporains dans cette construction
du salut par les œuvres notamment, mais ce n'est qu'une caricature. Si Luther s'était contenté de répéter ce qu'il avait reçu de ses maîtres, s'il s'était contenté de la tradition et de la religiosité ambiante, il n'aurait pas valu mieux que les perroquets de la religion, qui ne valent pas mieux que tous les perroquets qui se contentent de répéter ce qu'ils ont entendu, parfois en conservant les fautes. C'est là la logique du même, dont il est question à travers l'analogie de Sodome et Gomorre. Cette ville où ce qui n'était pas conforme, ce qui n'était pas semblable au même, était éliminé. En scrutant les Écritures, en scrutant ce texte qui lui est étranger, ce texte qui n'est pas sa production personnelle, en essayant d'y découvrir une parole divine, une parole qui vient à sa rencontre plutôt qu'une parole qui serait le fruit de son imagination ou de son désir, Luther fait quelques pas à l'extérieur. Et c'est cela qui lui permet d'entendre une autre musique que le petit refrain qu'on lui avait mis dans la tête. En faisant ce détour par les Écritures, il prend un peu de distance. Et c'est parce qu'il prend un peu de distance qu'il peut observer son époque et entreprendre la réforme de ce qui doit être réformé. Premier moment, l'analyse, avec un point de vue externe. Deuxième moment de la réforme, un terme que nous redoutons un peu, mais il s'agit de cela, la purification. Il s'agit de se débarrasser de tout ce qui est encombrant. Il s'agit de faire le ménage dans nos idées, dans nos convictions, dans nos constructions, dans nos outils. Pour le dire avec cette formule que vous entendez souvent, il s'agit de gratter le vernis religieux qui étouffe bien souvent l'élan de la foi, qui nous fige dans des images mortes d'un Dieu qui n'a donc plus rien à dire à la vie. Pour le dire autrement, il s'agit de nous débarrasser de ce qui nous entrave, de ce qui réduit notre capacité d'être, de ce qui nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Calvin le fait très bien au sujet de cette spéculation insensée sur l'au-delà à son époque. À passer son temps à s'inquiéter de ce qui arrive après la mort, de savoir si on irait en enfer, au paradis, combien de temps on passerait au purgatoire. Déjà que ce n'était pas les 35 heures, vous imaginez le temps qui restait pour s'occuper du temps présent. Eh bien, Calvin va neutraliser ces spéculations qui relevaient plus de la superstition que de la théologie, en mettant en place cette fameuse double prédestination. Doctrine affreuse à nos oreilles du XXIe siècle, magnifique machine de guerre au XVIe siècle pour couper court à la fuite en avant. Avec pédagogie, Calvin part de la conviction de ses contemporains qui pensent qu'il y a des élus et qu'il y a des réprouvés. Il leur dit « Soit, seulement c'est Dieu qui choisit au départ, donc ce n'est plus votre affaire, vous pouvez retourner au travail ». En son temps, l'apôtre Paul avait déployé une pédagogie semblable au sujet du péché originel. Comme Calvin, il rejoint ses contemporains dans leur délire religieux. Le péché se transmettrait de génération en génération par la faute du premier homme, Adam. Soit. Seulement, notez bien, dit Paul, que si le péché est entré dans l'humanité par un homme, alors vous devez accepter aussi qu'il en a été arraché par un homme, le Christ Jésus. Il n'y a donc plus rien à voir, vous pouvez circuler. Jésus, évidemment, n'avait pas été en reste. En purifiant le sacrifice de tout ce que des générations de croyants lui avaient collé sur le dos, mais en étant peut-être un peu moins pédagogue que ses successeurs.
Jésus y va franco pour dire clairement que les sacrifices ne sont pas une manière d'être quitte de ses obligations religieuses ou de s'attirer les bonnes grâces du divin. Le sacrifice est une action de grâce, comme l'expose le livre du Lévitique. C'est une façon d'être reconnaissant du soin que l'Éternel prend à nous rendre plus humains. Le pardon des péchés se fait donc en vertu d'un pardon originel affirmé par Dieu et non de rituels accomplis selon la lettre. Et c'est ce que fait également Ésaïe ici même. Dans une certaine mesure, Ésaïe chasse les marchands du temple. Il envoie en l'air les comptabilités religieuses, celles qui essaient de marchander l'amour divin. Et il rappelle aussi que le sabbat est fait pour l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. Cette deuxième étape de purification consiste à retrouver l'esprit des lois, l'esprit de ce qui nous structure. Ou pour le dire avec Bultmann, il s'agit de démythologiser la religion, la nettoyer de toutes les fausses interprétations, de tout ce qui s'accumule, mais qui fait écran au sens profond des symboles que contient la religion. Seulement voilà, il ne suffit pas de faire un ravalement de façade pour aller au bout de la réforme. La réforme, ce n'est pas simplement retirer la crasse pour retrouver l'éclat d'autrefois. Il n'y a d'ailleurs pas de nostalgie d'un âge d'or dans l'esprit des réformateurs. Il faut aussi s'attaquer à la structure. Parce que vous conviendrez qu'il ne suffit pas de mettre boulangerie au-dessus de son pas de porte pour être capable de faire du pain, et tant qu'à faire, du bon pain. Prenons le cas de l'institution Église, puisque c'est l'objet que nous avons sous la main, là. Dans l'institution Église, et pas simplement l'oratoire du Louvre, je dirais même pas trop l'oratoire du Louvre par rapport à ce que je vais dire, on constate que des paroissiens quittent l'institution, quittent l'Église, quittent le bateau. Les analyses concourent souvent à dire que c'est à cause d'un vocabulaire qui ne serait plus adapté, des formes qui ne seraient plus de notre temps. Bref, on accuse soit le côté vieillot, soit le côté inapproprié de certaines formes ecclésiales. Et cela se peut. Dans ce cas, il faut procéder à la deuxième étape, le grand nettoyage de printemps, celui qui précède la Pâque juive, par exemple. Mais je formule une autre hypothèse. Quand l'institution Église connaît une réelle désaffection de ses membres, ce n'est pas parce que les paroissiens quittent l'Église. C'est parce que l'Église quitte les paroissiens et qu'elle les abandonne en rase campagne, avec leurs questions, avec leurs projets, avec leurs incompréhensions, avec leurs angoisses ou avec leurs joies démesurées. Je formule l'hypothèse qu'il y a divorce non pour des questions de forme, mais pour des questions de fond. Parce que l'Église s'occupe de ses affaires, mais elle ne se préoccupe pas de ce que vivent ou de ce que n'arrivent pas à vivre les personnes. J'illustre cela. Moïse, celui qui fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, réputé être la maison de servitude. Eh bien, imaginons Moïse qui doit organiser cette sortie d'Égypte, libérer, faire la libération. Il prend les consignes auprès de l'Éternel et la nuit venue, il part dans le désert. Seul problème, il n'a pas emmené le peuple hébreu. Il a pris avec lui les 10 plaies d'Égypte. Et le peuple hébreu, lui, est encore sous les fouets des Égyptiens. C'est pour éviter cela, je crois, que le prophète Ésaïe alerte le peuple. Assez de religieux, faites de la théologie. Intéressez-vous à l'être humain à l'aune du divin, au lieu de faire briller
vos ustensiles religieux. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, convertissez vos péchés en puissance de service, de diaconie. La troisième étape, le troisième moment de la réforme, c'est d'orienter notre vie de telle manière que nous traitions les vrais sujets. La troisième étape, c'est la conversion, en fait. Qu'il s'agisse de la teshuva hébraïque, qui consiste à retourner à l'essentiel, ou la métanoïa grecque, qui consiste à pousser notre intelligence pour qu'elle aille au-delà de la surface des choses. La deuxième étape, l'étape précédente, consiste à libérer notre présent, à le purifier de tout ce qui nous encombre, pour que, à cette troisième étape, nous puissions réinvestir le présent avec les vraies questions. Encore faut-il ne pas se tromper, en effet, en remettant illico presto des questions d'ordre secondaire, celles qui ne devraient pas être au centre de nos préoccupations. Et c'est la raison pour laquelle la théologie nous est si précieuse. Parce que la théologie, c'est ce qui, en toutes circonstances, dans les temples et hors des temples, le dimanche matin et le reste de la semaine. La théologie, c'est ce qui nous replace face à l'absolu. La théologie, c'est ce qui nous aide à y voir plus clair, pour mettre à leur bonne place tous les éléments qui font notre vie. La fréquentation des textes bibliques, de ce point de vue-là, est un outil précieux. C'est la raison pour laquelle les réformateurs y retournent, en faisant une sorte de grand bond par-dessus la tradition, par-dessus les conciles, par-dessus les colloques, par-dessus les paroles ex cathedra. Parce que la fréquentation des textes bibliques aiguise notre conscience quant à ce qui est fondamental. Et c'est simple comme l'Évangile. Genèse 1 nous dit qu'il faut aider l'homme à prendre sa place sur terre et à prendre soin de la création. Genèse 4 nous demande de quelle manière nous prenons soin de notre prochain. L'Exode nous appelle à nous affranchir de toutes nos servitudes. Ésaïe 1 nous met sur la voie d'une diaconie sans laquelle la foi n'est qu'un bon sentiment stérile. Concrètement, ici, nous sommes des entrepreneurs et des cadres affrontés à une situation économique et politique extraordinairement complexe. Nous sommes des professions libérales et des responsables politiques affrontés à des revendications individualistes exacerbées. Nous sommes des agents techniques pris entre l'enclume et tout un tas de marteaux. Nous sommes des parents qui mettons au monde des petits d'hommes nus à la naissance et qu'il faut équiper. Nous sommes des étudiants ou des jeunes adultes auxquels le monde du travail ne fait pas la charité. Nous sommes des personnes étrangères qui ne possédons pas les codes culturels d'une société dont l'aspect administratif a pris le pas sur toute autre forme de considération. Nous sommes des citoyens qui avons du mal à discerner quel est le contrat social qui fait consensus. Nous sommes des croyants qui constatons que le particulier a tendance à prendre le pas sur l'universel. Nous avons notre superbe, nous avons aussi nos fragilités, nos difficultés et nos fêlures. Mais nous savons que ce sont là les vrais sujets. Alors, allons et plaidons, dit l'Éternel. En avant et plaidons pour une réforme véritable qui ne s'adresse ni à une analyse pertinente, ni à un gentil ravalement de façade. Parce qu'il ne faudrait pas croire qu'au prétexte qu'on change le nom de notre Église, pour en faire l'Église protestante unie de France, par exemple, que tout est fait. C'est au cœur de la structure même de notre vie d'Église qu'il faut s'assurer que nous sommes bien au cœur de notre vocation. Alors allons et plaidons,
Plaidons pour l'honneur de l'Éternel, qui fait primer la foi sur la loi, qui relativise les institutions pour valoriser une fraternité active entre les hommes qui, tous sans distinction, sont enfants de Dieu. Plaidons pour l'Éternel qui appelle l'homme à l'universalité et à la liberté. L'Éternel qui nous rend toujours un peu plus humains. Amen.